Suratul Qamar. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue. Voit-il un signe, il s'en détourne en disant C'est une magie appelée à disparaître. Il crie aux mensonges, suivent leurs penchants, mais tout ira à son aboutissement. Il leur est pourtant parvenu des récits qui devaient les prévenir de la mécréance. Récits d'une grande sagesse, mais les avertissements ne servirent à rien. Détourne-toi donc d'eux, le jour où le héros annoncera une chose terrifiante. Les regards humbles de crainte, ils sortiront des tombes comme sauterelles dispersées précipiter vers l'origine de l'appel. C'est un jour pénible, diront les mécréants. Le peuple de Noé, avant eux, avait tout rejeté et traité de menteur notre serviteur. Ils dirent alors de lui, c'est un insensé, et il fut repoussé impitoyablement. Il pria son Seigneur, Je suis vaincu, à toi donc de faire triompher ta cause. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel qui laissèrent s'échapper des eaux impétueuses. Nous fîmes sourdre de la terre des ruisseaux et les eaux du ciel et de la terre se rejoignirent par nos ordres prédestinés. Nous le transportâmes sur une arche faite de planches assemblées avec des clous qui voguait sous nos yeux en oh récompense pour celui qui fut renié. Nous laissâmes l'arche comme signe à la postérité. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir Quels ne furent alors mon supplice et mes menaces mais nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir Les Hades crièrent au mensonge. Quels ne furent alors mon supplice et mes menaces nous envoyâmes contre, en contre eux par un jour néfaste et sans fin un vent impétueux et glacial qui arrachait les hommes comme des troncs creux de palmiers déracinés. Quels ne furent alors mon supplice et mes menaces Mais nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir Les Tamoud taxèrent de mensonges les avertissements. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر Ils protestèrent. Allons-nous suivre un seul homme d'entre nous Nous serions alors en plein égarement et même complètement fous. Le message Aurait-il été confié à lui seul d'entre nous tous Que non, c'est un fiefé menteur. ils sauront demain qui est le fiefé menteur. Nous allons leur envoyer la chamelle pour les éprouver. Observe-les donc et prends patience. Préviens-les que l'eau sera partagée entre eux et la chamelle et qu'ils en boiront chacun un jour. Ils appelèrent leur compagnon, qui prit une arme et la battit. Qu'ils ne furent alors mon supplice et mes menaces. Nous envoyâmes contre eux un seul cri et les voilà aussi inertes que le foin d'une étable. Mais nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir Le peuple de Lot, à son tour, tint pour mensonge les avertissements. Nous envoyâmes alors contre eux des trompes de cailloux et n'épargnâmes que la famille de Lot peu avant l'aube. Ce fut un bienfait de notre part, et c'est ainsi que nous récompensons celui qui sait rendre grâce. Il, Lot, les avait pourtant prévenus de la rigueur de notre riposte, mais ils refusèrent de croire aux avertissements. Il voulait porter atteinte à l'honneur de ses hôtes, mais nous les privâmes de leur vue en leur disant, goûtez donc mon supplice et mes menaces. Le lendemain, au petit jour, un supplice continu fondit sur eux. Goûtez donc mon supplice et mes menaces. Et nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir? Au peuple de Pharaon sont parvenus également les avertissements. Mais ils tinrent pour mensonge tous nos signes, et nous les emportâmes comme il sied à qui est tout-puissant et omnipotent. Vos mécréants seraient-ils donc meilleurs que cela? Ou bien, argueriez-vous de quelque immunité vous venant des écritures Peut-être, diront-ils, nous sommes nombreux et solidaires, et nous serons vainqueurs. Tous seront vaincus et tourneront le dos pour prendre la fuite. L'heure sera plutôt leur rendez-vous, et l'heure est plus cruelle encore et bien plus amère. Les coupables sont en plein égarement et livrés à la démence. Le jour où ils seront dans le feu, traînés sur leur visage, il leur sera dit, goûtez donc la chaleur de l'enfer qui maintenant vous touche. Nous avons tout créé selon un décret. Notre ordre ne procède que d'un mot, un seul, aussi rapide que l'éclair. Nous avons déjà fait périr des peuples qui vous étaient semblables. Est-il donc quelqu'un pour y méditer? Tout ce qu'ils ont fait est consigné dans les registres des bonnes et mauvaises œuvres. Toute action, qu'elle soit petite ou grande, y est inscrite. Les gens pieux seront au milieu des jardins et des rivières. Dans une demeure de vérité, auprès d'un roi omnipotent.